Et bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous? Moi c'est nickel, j'espère que pour vous le même. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Rome News. Donc les Rome News c'est les vidéos news de la chaîne. Je vais donner un peu toute l'actualité. Alors ce qu'il y a en fond c'est pas du tout important. C'est juste que là j'ai pas le temps, pas envie de faire une vidéo facecam. Du coup c'est un petit fond de Skyrim, mais c'est pas très important. Vous pouvez tout à fait faire autre chose et m'écouter, c'est le plus important. Donc j'ai pris quelques notes histoire qu'on voit tout bien dans le bon ordre. On va parler de la chaîne, de l'actualité, et premièrement, on va parler du tuto Code Lyoko, plongée vers l'infini, version Wii en 4K. Car vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire le tuto. À la base, je voulais le faire une fois que j'avais fini le let's play, mais finalement, je vais le faire avant. Donc, je ferai un tuto complet pour vous apprendre à jouer à Code Lyoko, plongée vers l'infini, version Wii, sur votre PC. Sachant que il faut quand même un petit peu de matériel, mais j'expliquerai vraiment tout dans le tuto. Je pense faire ça avant fin août. Logiquement, j'aurai le temps histoire que vous puissiez installer tranquillement tout ça, car la plupart vous êtes encore en vacances. Ensuite, donc, on va reprendre ce qui est let's play. Donc, au niveau des let's play, il y a Code Lyoko DS qui est bientôt fini, puisqu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, il reste que l'épisode 14 et l'épisode 15. Épisode 14 et épisode 15, ça va assez vite, encore 2 semaines, vu que pour le moment, je poste un épisode de Code Lyoko DS et un épisode de Code Lyoko Wii par semaine. Donc, voilà. Après ça... Qu'est-ce qu'il y aura? Parce qu'après ça, il va rester le Code Lyoko, le let's play pardon, de Code Lyoko plongée vers l'infini version Wii en 4K, qui tournera à 2 épisodes par semaine une fois que Code Lyoko DS sera fini. Mais il faut que je trouve du contenu. Et du contenu, bah j'en ai. Premièrement, il y a l'IFSL. L'IFSL, faut que je fasse le chapitre 2. Cependant, faut que je trouve une bonne heure, je pense, pour le faire où je suis vraiment tranquille. Donc pareil, je pense que ça arrivera pour fin août, début septembre. Et je vais également refaire des vidéos sur Roblox et MRCL. D'ailleurs, pour les vidéos sur Roblox et MRCL, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Quand j'irai dessus, j'hésiterai pas à poster une petite annonce afin que vous puissiez me rejoindre si vous y arrivez. C'est surtout pour MRCL. Pour Roblox, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Roblox, ça sert à rien de me demander en ami. J'y joue pas hors vidéo et puis de toute façon, j'ai perdu mon compte. Donc il faudra que je m'en refasse un. Voilà, donc MRCL, il y aura des vidéos parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés depuis la dernière fois. Et je vais essayer de trouver sachant que je suis en contact avec quelqu'un du staff, voilà, il y a moyen de faire des trucs et tout. Et je pense que je ferai même une vidéo avec lui qui expliquera certaines choses que j'ai du mal à expliquer depuis le début. Et pour Roblox, bah, ce sera des vidéos sur le même serveur que la dernière fois, Virtualized. Mais entre amis, je pense, j'ai quelqu'un sur mon serveur qui connaît très bien le serveur et qui pourra donc m'aider. Voilà, c'est à peu près tout. À ce niveau-là, l'IFSCL, je vais donc faire le chapitre 2 et j'essaierai après de refaire quelques vidéos dessus, comme j'avais fait la dernière fois. Après, voilà, c'est l'IFSCL, vous savez que je trouve que c'est un très bon jeu, un très bon fan game. Cependant, voilà, c'est pas forcément le genre de jeu sur lequel j'ai beaucoup de patience, mais c'est vrai que ça reste très cool et je sais que beaucoup aimeraient me voir dessus, d'un côté, me voir progresser en vidéo, ça peut être sympa. Ensuite, on va parler de quelque chose un peu plus vie privée, mais ça vous concerne indirectement, c'est que je vais déménager. Alors, c'est pas tout de suite, mais ma copine et moi, on a trouvé un appartement. Logiquement, il n'y a pas de lézard, on l'aura, on va signer le bail là, incessamment sous peu. On emménagera seulement le 15 octobre, mais en quoi ça vous concerne? Ça vous concerne qu'on aura une chambre en plus, donc une chambre pour nous, une chambre pour la petite, et que de ce fait, bah moi, le soir, je serai tranquille dans le salon et tout. Donc ça veut dire que je pourrais faire bien entendu plus de vidéos et que je vais surtout reprendre les streams. Donc en gros, considérez qu'à partir du 15 octobre, enfin le temps que ça se fasse, tout ça, qu'on reprenne le rythme, tout ça, parce que bon, mon travail, tout ça, ça fatigue quand même, eh bien il y aura quand même plus de vidéos je pense, ou du moins ce sera plus pratique pour moi en fait. Parce que là j'avais tendance à déranger un peu ma copine, tout ça, là ce sera plus le cas. Il y a ça, et puis je pourrais reprendre les streams étant donné que le soir, eh ben, je serai plus tranquille. Et je pense que je fêterai ça avec un stream assez long de toute une soirée, on essaiera de faire quelque chose de sympa. Ensuite, on va parler des vidéos univers Code Lyoko. Alors, vidéo univers Code Lyoko, la prochaine, je vais pas dire le sujet, mais ce sera un sujet assez simple dont j'avais déjà parlé. Ce sera un sujet assez simple dont j'avais déjà parlé. Donc, ce sera une vidéo d'une dizaine de minutes, un peu moins, je pense, hein, vraiment. Mais ce que je vais faire, c'est que dans cette prochaine vidéo, elle sera très importante parce qu'il y aura un sondage pour la vidéo d'après, pour la vidéo Univers Code Lyoko d'après. Vous aurez le choix entre 3 thèmes. Pourquoi 3 thèmes? Parce que plus je trouve que ça ferait trop éparpillé, donc j'ai essayé de prendre 3 thèmes assez similaires. En fait, ça porte sur la même chose, mais pas tout à fait. Je vais pas en dire plus, donc
soyez présent pardon lors du prochain épisode d'Univers Coleco, parce que déjà il sera cool parce qu'on m'avait quand même demandé d'en parler. Donc ce sera sympa, je pense que la plupart d'entre vous seront contents. Après c'est clairement moins complexe que le cinquième territoire, mais les vidéos comme le cinquième territoire, il y en aura deux dans l'année, hein, faut pas rêver. La prochaine aussi complexe que ça, j'écris des notes depuis un petit moment maintenant, et c'est loin d'être fini, et elle sera encore plus longue je pense. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire, en tout cas je vous remercie parce que même si je sors moins de vidéos, la chaîne n'a jamais eu des stats aussi élevées en réalité. En juillet, j'ai posté que 4 vidéos et j'ai des stats de malade. On arrive bientôt aux 4000 abonnés. Mon objectif, c'est les 4500 avant la fin de l'année. Quand j'entends la fin de l'année, j'entends début 2022, quoi. C'est vraiment mon objectif. Ça voudrait dire que j'ai pris 1500 abonnés en un an. J'ai jamais fait ça. Dans mes rêves, c'est les 5000. Mais ça, je pense que c'est un peu plus mort. Mais les 4500, je pense qu'il y a moyen si je me bouge un peu le cul. Mais voilà, je tenais à vous remercier, n'hésitez vraiment pas à venir sur mon Discord, je poste vraiment beaucoup d'annonces par rapport aux vidéos, voilà, tous les jours je raconte un peu ma vie, tout ça, et puis il y a beaucoup de fans qui discutent. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté, pour ceux qui écoutent ces vidéos-là, c'est vraiment les abonnés les plus fidèles, donc je vous remercie encore plus. Sur ce, on se retrouve très bientôt, bah normalement cette vidéo sort dimanche, donc vous aurez un épisode de Coleco DS mercredi je pense, ou mardi si j'ai la foi. Bref, je vous souhaite une très bonne journée je pense, ou soirée, peu importe. Et on se dit allez, à très bientôt tout le monde, salut.